Pour ce numéro de Mystère d'Afrique, nous recevons... C'est Gerusès Yava. Oui, bon, je suis là pour dire que il y a affaire de papiers. Affaire de papiers, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui sont étrangers. Quand je dis étrangers, là, il y a les gens qui sont soit au Soudan, eux qui sont soit en Sud-Afrique, en Égypte, même au Maroc, qui ne gagnent pas papier. Ce n'est pas forcé quand tu vois que je parle affaire de papier là, c'est les gens qui sont en Europe. Vous-même qui êtes en Afrique ici, là, ça vous concerne. Donc c'est pourquoi je suis là cité. Tu peux être au Burkina, tu peux aller au Mali, que tu as besoin de papier. L'homme, si tu es là, que tu n'es pas papier, on ne t'appelle pas l'homme. Donc dans le lieu, dans la ville, dans le pays où toi tu es là, là, il faut que tu gagnes un papier. Là, on te connaît parmi les gens. Mais si tu es là-bas, tu n'es pas papier. On ne te compte pas que tu es parmi les gens. Donc je suis là pour dire, je fais ce travail aussi. L'homme qui a besoin de papier, il n'est qu'à venir me voir, il n'est qu'à m'appeler, quel que soit où il est, il n'est qu'à m'appeler. Je veux trouver une solution pour lui. Donc c'est ça, je suis là pour dire, moi, c'est quelque chose là. Avec des papiers là, c'est des choses, tu viens, tu m'appelles, ce n'est pas forcé de venir. Tu m'appelles, que ouais, j'ai besoin de tel papier. Je suis dans tel pays, je suis dans telle ville, j'ai besoin de papier. Moi, à mon connaissance, je veux faire que tu vas avoir papier que toi, tu veux là, tu es là-bas, tu ne gagnes pas là. Voilà, c'est comme ça que je fais. Comment vous travaillez? Comment vous faites pour que la personne ait son papier? Bon, papier là, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Moi, tu m'appelles, je regarde comment je vais rentrer, tu vas avoir papier. Je fais le travail toi-même, tu es couché. Un matin, on t'appelle pour dire que ton papier là, tu n'es pas venu se prendre. C'est comme ça que je fais. Le délai. C'est ça que je dis là, le délai là. Il y a certaines personnes, quand ils parlent de délai là, si tu n'es pas encore envoyé l'argent là, pour faire ton papier là, je ne vais pas te montrer délai. Parce que quand tu vas envoyer l'argent là, il y a certaines choses que je vais payer. On paye combien? Il n'y a pas prix dessus. Il n'y a pas un prix. Seulement que je regarde, je te consulte. À travers de ton consultation, c'est ça, je vois quelle chose je peux prendre pour faire ton travail. Mais une fois, je ne t'ai pas consulté là, je ne peux pas connaître quel travail je vais faire pour toi. Maintenant, si je finis de te consulter, c'est ça, je connais telle chose donc, je vais faire pour donner à telle personne. Telle chose, je vais faire pour donner à ça. Et puis, papier que tu veux là, tu vas avoir. Et si tu as un problème à la justice, est-ce que vous pouvez régler ça? Même si tu as un problème à la justice, je peux régler. Si tu as un problème, tu es en prison, que on m'appelle là, je te fais enlever. J'ai des cas que j'ai débloqué ça. Tu es en prison, que tu m'as appelé, je te débloque, je te fais sortir dans la prison là. Ce n'est pas affaire de justice seulement. Si tu as un problème à la justice, il faut me dire dès maintenant, il faut me dire au début, et puis là, je te donne le programme, le jour. Le jour arrive que vous avez parti la forcer. Et si la personne n'est pas innocent, il est coupable, est-ce que vous pouvez le sauver? Si. Il a tué l'homme comme ça. Bon, ce que je suis là te dit là, si la personne, il est innocent, ça dit que ce n'est pas lui qui a tué. Et puis, ils sont là, mais sur lui que c'est lui qui a tué. Il y a travail de fait. Maintenant, si ce n'est pas lui, qu'ils sont là faire mentir sur lui là, moi j'ai son travail. Si c'est lui, là je ne fais pas. Moi je suis, j'ai raison, je ne suis pas mensonge. Tu consultes. Voilà, moi si c'est lui. Si c'est lui, je ne fais pas. Mais si ils sont là mentir sur toi, que ouais, pourquoi tu as tué telle personne? Tout le monde sait qu'ils sont là mentir sur toi, ils vont aller te mettre en prison cadeau là. Tu m'appelles, tu me dis, moi je vais trouver un terrain d'entente, je fais le travail, cette affaire-là, ils vont ouvrir, ils vont oublier. Ou bien le jour que vous êtes parti juger là, affaire-là, eux-mêmes qui t'envoyaient là-bas, là, ils vont les mettre dedans. Pour moi, là, c'est comme ça que je fais. Ce n'est pas forcé que ceux qui sont en Europe, là, qu'on parle de eux, ceux qui sont en Afrique, là, ça vous concerne. Affaire des papiers, là, vous n'êtes qu'à chercher. Si toi, tu es en Tunisie, tu es en Égypte, tu es au Gabon, n'importe où tu es, que tu ne gagnes pas papier, appelez-moi, moi, je vais faire le travail pour que tu gagnes le papier. Voilà, donc je vous dis toujours, lui qui m'a appelé au niveau de ça, il a tapé vos portes. Donc je suis là pour vous dire,
à partir d'aujourd'hui, je vous dis, je mets dans votre tête que c'est pas papier là, c'est pas les gens dans l'Europe. Tu peux être en Afrique aussi, que tu n'es pas papier. Dès qu'on dépose, ça se fait. Dès qu'on dépose, quand on dit papier là, c'est quoi? Même tu peux être en Côte d'Ivoire, tu es dedans. Parce que passeport là, qu'on va en France, on va en Europe, on va en Afrique, si tu n'es pas passeport, tu n'es pas papier. Mais tu t'en déposé, le plus souvent, c'est bloqué. Donc il faut que vous tous prenez mon numéro, appelez-moi, je vais faire le travail que vous avez à voir votre papier. Je répète encore, moi quand on ne connaît pas la nuit là, on ne peut pas aller. Moi quand on ne connaît pas la journée, on ne peut pas aller derrière lui la nuit. Donc je vous dis, au niveau des papiers, quel que soit où tu es, quel que soit où tu dors, quel que soit dans quel pays tu es, venez me voir, je vais vous dire que c'est Guérisseur Siaba qui parle avec vous. Je vous dis toujours, moi quand je parle là, quand je dis ah, je sais ce que je suis là dit. Je vais vous dire que on est dans le troisième mois que je suis là vous dire comme ça. Il y a vérité de moi, et puis il y a vérité de vous, et puis il y a vérité réelle. C'est cette vérité réelle que je suis là vous dire. Venez me voir. Dans ce, on est dans le troisième mois, venez me voir. Je vais faire ce que vous ne croyez pas. Ce que vous ne croyez pas, une fois que tu viens chez moi, c'est ça que tu vas croire. Donc moi, je suis le seul que je vais vous dire la vérité des réels. Donc venez me voir, appelez le numéro, regardez la vidéo et puis prenez le numéro, vous avez appelé. Si vous appelez, on va tomber d'accord.